On est toujours au Costa Rica. C'est la deuxième partie de notre voyage. On arrive de Santa Teresa. Trois journées d'excursion de pêche totalement incroyables. On a fini ça avec des gros spécimens de sailfish. C'était au-delà de nos espérances, je pense. On a vraiment réalisé un rêve de réussir à atteindre, à avoir un sailfish dans le bateau pour gros de fish. Maintenant, on s'en va du côté de Tortuguero. C'est vraiment de faire le tour du golfe de Nicoya. C'est quand même un trajet qui est périlleux. Puis aussi, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On n'a jamais passé par ici. On s'en va pêcher avec Primo, qui est un guide qui est connu internationalement. Moi, je me le suis fait référer. Ça a l'air que c'est le meilleur de la région pour sortir les plus gros tarpons. On continue notre voyage ici, toujours avec Sylvain, avec Marc Joyal. Ça va être totalement incroyable. On a deux jours pour se rendre. J'espère qu'on va y arriver. J'espère qu'on va avoir assez de temps. Fait que c'est parti. On continue de contourner le golfe. Notre aventure au Costa Rica n'est pas terminée. On est enfin rendu à Tortuguero. On a fait un super de beau road trip. On a arrêté de coucher un hôtel au pied du volcan Arenal. Là, on est rendu ici. On pensait prendre le traversier pour au début 6 $. Finalement, on en a acheté un privé pour 10. Malheureusement, c'est plus 10 rendu ici, c'est 20. Mais à 20, il va vraiment faire le guide privé. Il nous arrête où on veut. On s'en va pour une petite heure de bateau qui va nous mener jusqu'à notre hôtel. Un petit couple et une petite coque qui mangeaient ça, les deux se régalaient avec leur enfant. C'est un gâteau dans lequel ils roulent de la crème glacée à l'intérieur à vanille avec des fraises. D'après moi, c'était cœur. Hein? On vient d'arriver. On a trouvé notre place où on va rester. OK, on est parti! Pour vrai, je me sens tellement dépaysé. C'est ma 13e fois au Costa Rica. J'ai jamais vu quelque chose d'inusité comme ça. Ça a l'air d'être une petite communauté, un feeling. Alex, j'ai la patate qui pompe. J'ai la patate qui pompe. Primo vient tout juste d'arriver. On fait une petite run de bateau, peut-être une quarantaine de minutes. On va sortir sur l'océan. C'est parti pour le tarpon. Je suis vraiment excité, j'ai tellement hâte de voir ça. J'ai hâte d'attraper des beaux poissons. Ce que j'ai remarqué tout de suite en arrivant, là, c'est que le bateau est tellement propre. Tout est parfait, tout est droit. On a affaire à un gars méthodique. On va passer une belle journée. C'est parti. On vient tout juste d'arriver au spot de pêche. On a quand même fait beaucoup de bateaux. Ça brasse beaucoup aujourd'hui. On est juste à l'embouchure d'une rivière ici qui vient directement du Nicaragua. La technique pour le tarpon, c'est de jiguer juste un petit peu comme ça. Pas beaucoup, parce que qu'est-ce qu'il m'a dit? Si on jigue beaucoup et la canne est comme ça, quand il saute dessus, on ne sera pas capable de le ferrer. Le but, c'est vraiment d'attendre en jiguant. Et s'il y en a un, on ferre de toutes nos forces parce que ça a une mâchoire très, très, très solide avec des os tout le tour. Fait qu'il faut pas le manquer. C'est des poissons qui sont toujours siempre en banc. Fait qu'ils crousent en banc. Fait que là, quand le banc arrive, on a des chances même de faire des doubles. On tombe dedans, un peu comme au doré. Quand ça se met à mort, tac, tac. Le bateau à côté de nous vient d'en attraper un. On se déplace donc à côté de lui. On va aller continuer de juguer à côté. Primo, ce qu'il nous expliquait un peu, c'est faut faire comme au saumon de l'Atlantique. Quand le poisson saute dans les airs, c'est important de coucher notre ligne comme ça pour lui redonner du mou, pour pas que ça donne un coup sec sur la ligne, ça pète. Oh, si, papi. Dan. Ben oui, les autres gars sont plus loin là-bas. Puis on s'est fait drifter. Il y a beaucoup de courant, on s'est fait drifter vite. Dan, il dit, je pense qu'on devrait aller là-bas. Il vient de coller dans le micro. Rapproche-toi de nous, ça. Oh, yes! Yes, Dan! OK. Yeah! Yeah! Vous avez-tu vu ça? OK! Ouais! Excite!
essayer de me pogner de l'achat. OK, Dan. Hey, Dan, c'est ça? Is there? Un petit pour commencer! Yeah, Alex! Le premier tarpon, c'est immense. Puis lui, il dit que c'est un petit, moi, je capote. Ouais! Woo-hoo! Ouais, premier tarpon, Costa Rica à Tortuguero. Chose de faite, on a peut-être 15 minutes de pêche de passer, 20. On a vraiment pas pêché longtemps. Okay. Yes! What's the hook? Okay, hold it right here and you can pull it and somebody can film over okay. there. Okay, on va filmer par là, ouais. Okay, yeah. Yeah. Okay. Wouah! Hey, man, c'est pas ça! Wouah! Oh. Yes! Yes. Woo! Good job, man. Papi chulo. Oh! Yes! Wow! C'est beau, Dan. Big roll? Big roll? Right here, man. Right here. I get this. Set him, set him! Okay. Fire! Okay, okay. Hold it, hold it. Wow! Oh. Look, look what I got. Tu l'as pas ferré, bon boy? Il a décroché! Ok, leave it there, leave it there, leave it there, leave it there, jig it, jig it! Quasi, Sylvain, là! Ok, ok, come on, come on! Yes, sir! Oh, yeah! Yeah! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! On a un autre gros en ce moment au bout de la ligne! C'est tellement, tellement énervant! Quand ça jump, c'est incroyable de voir ça. Il s'en prend. Il va sauter. Il va sauter. Ça vient, ça vient, ça vient. Il va en avant du bout, direct en avant. Oui. Oh, yo. Hey, c'est tout que du poisson, ça. Il va sauter, il est pas prêt. OK, go, go. Oh! Hey man, c'est gros ça là! Hey, j'ai mal les épaules, les gars là! Oh! Oh my god! Tranquilo, pura vida. Yeah! Mon deuxième! Man, t'as-tu vu la grosseur de ça? It's heavy! Ouais! Yeah! It's heavy! It's ready! Woohoo! Good! It's a big! It's a big! Nice! Wow! Hey, je suis brûlé. How many pounds that one, you think? Easy, 150 pounds. I can, you and me, I can pull it all. So heavy. Il dit facile 150 livres, man. Good job, man. Hey, tu l'as bien travaillé. J'ai vraiment aimé ça. Tu tournais ça, ça la chaise en avant, hein, tu le poses dans les bords. Ouais. Tu l'as travaillé jusqu'au bout. Hein, tu l'as dit sur la retour. Just waiting for me in the airport to say, you coming by road, you're dead, man. Wow. Were you fishing like in the water? Fishing in the surf. Fait qu'il a pilé sur une, elle l'a piqué, mais dans l'artère principale. Une raie? Ouais, un stingray. Ils sont super poisonous ici. Yeah.
mais oh, ça l'a pas juste piqué dans sa chair, c'est dans son artère principale. Fait que ça s'est tout de suite ramassé dans son sang, sorti en hélico, avion, à San José. Les médecins ont dit quand il était arrivé à San José, s'il avait essayé de se rendre en auto, disons, là, c'est sûr qu'il faisait pas le chemin claqué. Il pêchait dans l'eau là, à terre, puis il est dessus. Maintenant qu'on est ancré, on va changer de technique. Au lieu de lancer au jig, on va se prendre plus des poissons nageurs. On tire au loin, on ramène vers le bateau. Un petit peu comme si on trollait en embarcation. La différence de ce niveau-là, c'est regarde, il n'y a plus de palette en avant. Donc c'est une action le plus frénétique. Au lieu d'être plus tout le temps pareil comme celle-là, lui, il fait foum, 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 des grands stretches. Ça fait 5 minutes qu'on est là. Sylvain vient d'en accrocher un super de gros. Comme Primo, il dit, a big mama! Lâche pas la pression. Il faut que tu le forces un petit peu, Sylvain. Flex la canne au max. Ça en a un gros, Sylvain. Ça en a un gros, ça, là. 200! Yes! Il s'en vient. Keep in tight! Rille, Sylvain, rille plus vite! Primo, il dit que ça en est un de 200 livres, certains, peut-être même plus, qu'il a vu de là-bas, qui était monstrueux, gigantesque. Ah, il est reparti! Il est où, Sylvain? Il est parti droit en arrière là, du bas. Wow! Oh! Hey, il saute encore! Passe au-dessus de la tête à Dan. La canne. Viens dans mon chum. Yes, sir. Good job, Poppy. Hey, c'est comme si je serais dans le fond. Il est parti la couille. Hey, il est plus dans la couille. Tip down. All the way down to the boat. Oversight. Excellent. What a... Super good job, Sylvain. Il est parti sur le rock. Good job, Sylvain. On a un ancre en avant. Fait qu'on veut vraiment pas qu'il se foute dans la corde. Fait que tu le tires tout le temps vers le moteur. Ben oui, j'avais oublié ce bout-là. On est ancré. Tip down. Au-dessus de ma tête. God damn. Good job. This guy is good, man. Good job! Les gars, il est vraiment sur le bord de la gueule. Ouais! Yeah! He's a big mama! Sylvain, va y mettre ta main dessus. Que j'ai à ce poisson-là, mon Sylvain. C'est tatoué ce poisson-là, Sylvain! Ça te lève pas, c'est trop pesant! He's good. Good job, man. Thank you. Hey, mon record, ça va durer à date. Hey, 250 livres. J'ai dit facile, 250 livres. C'est parti pour la deuxième journée de pêche ici au Costa Rica, à Tortuguero. On est revenu au même endroit, à l'embouchure de la rivière Colorado. On a eu énormément d'action hier, des gros spécimens de tarpons. En plus, on a fini ça avec Sylvain, un tarpon qui faisait plus de 250 livres. C'était incroyable. Je sais quelque chose, c'est-à-dire je vais mettre une canne à mouche prête pour essayer d'en attraper un à mouche qui serait le Nec Plus Ultra. Puis là, dans mon stock, j'avais rien de vraiment assez gros. Il a vu ça, il a dit ça peut être bon. Imagine-toi donc, c'est une mouche que j'ai fait moi-même, Alex, avec des plumes noix blanches du lac Saint-Jean. J'ai monté ça sur un hameçon de mer. All right, Daniel! Danny, no care en arrière. Il est assez gentil de me le laisser. Hey, mais ça poule. Pas capable de le retenir, Alex. Il vient de prendre un mec. Aïe. Le primo, il avance. Prendre la ligne, même. Wow. Hey, il a de l'air... Ben oui, là. I go as soon as he let me... Oh, he's jumping! Laisse-moi passer, Sylvain, il va en avant. Okay, just hold it. Yeah, hold it. I see the leader. Oh, les gars. Je l'ai touché à ce poisson-là. Yeah!
Ah ouais, c'est le tien, ça, Marc! Ah, ça, mon homme! Man! Come to papa, maman! Come to papa, maman! T'es au gym, le gros! C'est toi qui me dis ça, là! Aïe, aïe, aïe! Music! Je le monte, je le monte, je le monte. Je vois le deuxième leader. Oh! 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 Okay. Yeah! Can we open the reel, people? Open the reel? Okay, how's it? Okay. I don't want to hurt the fish. Yeah! Wow, wow, wow! Gracias, papi! Well, my name is Elvin Gutierrez, and I'm fishing with tarpon for 30 years with tourists. And originally from Paris, Mina, I moved here to Tortuguero 35 years ago. And it's what I do for living, fishing tours. It's excellent, this area for tarpon. There's a lot of tarpon here. Almost every day you catch something, you know. Yesterday, one of those guys catch one of probably 250 pounds. It's a big, big fish. Tarpon is in the same family, sardines. It's almost the same. You can see a sardine, you see a tarpon, it's almost the same. They always coming to jump, and they try to lose the lure, you know, the jig. That's why you always keeping tight and try to set and hook really hard because they have a really hard mouth. But there's a spectacular jump of those fish. Ringo! The clutch is at maximum on my reel, primo. Alex, j'ai eu une shot. J'ai dit, ça se peut pas. Hein? I had one bite, and then I say, hein? Was that a bite? I start chugging, and boom! Est-ce que tu l'avais? Oh, yeah, yeah, yeah. Hey, c'est sur une mouche que j'ai faite, les gars du Québec. Ça, c'est cette mouche-là que j'ai au bout de ça. C'est faite avec des plumes d'oie blanche du lac Saint-Jean. J'ai fait ça moi-même avant de m'en venir. Et là, primo disait d'essayer de te rendre en avant. Yeah? OK, papi, OK, papi. OK. Ay, 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 ay. Rotish TV en Tortuguero, papi. Primo nous dit que ça a environ une centaine de livres. Oh, oh, là, il vient de se transformer en manque. Et je peux pas le retenir, les gars. Je peux pas le retenir. Il me ramène dans le backing. Wow. Le backing, c'est ce qu'on se met en cas d'urgence en arrière de la soie pour être certain que quand ça fait ça, c'est pas tout pété. Fait que j'ai 300 pieds de backing en arrière. Et là, je suis capable de prendre la ligne, les gars. Going up, going up, going up! Là. What's up with the motor? Good. Gracias, Captain. Backing again, motherfucker. Viens en surface. Rendu là, j'aimerais vraiment essayer de toucher. Le poisson nous a donné un bon combat. Il m'en a assez donné. J'aimerais ça qu'on le décroche puis qu'il s'en aille. Parce qu'il m'a tout donné, ce poisson-là. That way? Yep. OK, papi. Yeah, papi. It's my lifetime fight. Yeah. Yeah. That's it. That's it? C'est ça le slack, c'est de... Assez décidé, ben. Je sais pas, là. Après moi, c'est juste pris du slack. Essaye de voir ce qui s'est passé, là. Aïe, aïe, aïe! En ce moment, ça fait au moins 45 minutes que Marc se bat avec ce tarpon-là. Comme il disait tantôt, c'est le combat de sa vie. C'est incroyable d'avoir un poisson de cette puissance-là et de cette grosseur-là au bout d'une moucheuse. Hey, les gars, la tempête se lève. Là, on a une tempête qui va nous frapper de plein fouet, on dirait. Le vent vient de se lever, mon gars. Man. He's strong fish. Maybe he's... C'est le bloc. Mais ça n'a pas d'allure, Dan.
Ça fait une heure qu'on se bat contre ce poisson-là, en fait, que Marc combat. Le tarpon qui est au bout de cette ligne-là, la météo est en train de virer bord pour bord. C'est vraiment, là, le vent se lève, les vagues se lèvent, le temps devient gris. Il faut rentrer ce poisson-là. Oh, c'était... oh, attends une minute, là. Il monte, les gars. Il monte, les gars. T'as ouais, mais sans bleu, c'était con. Shit. Là, on est dans la boîte. On repêche le bout, même. Tire sa, sa ligne. On la rentre à main, là. On finit ça à main. Pas le choix. On finit ça à main, boys! On s'en va! Ah, oh, c'est-tu... T'as eu un beau fight, Marc. Ah, regarde, le moulinet s'est dessoudé. La canne a pété. La tempête a pogné. J'ai eu une expérience inoubliable dans le Mercier. C'était écœurant. En venant ici avec Daniel, j'ai été capable de mettre la main sur mon premier tarpon, qui a été incroyable. Puis la cerise sur le Sunday, c'est que j'ai été capable d'en combattre un après ça pendant une heure de temps sur une canne à mouche. Il m'a donné le combat de ma vie. On va se le dire, je pense que le problème, c'est que t'as voulu lui montrer tes taquis. Puis le tarpon t'a montré lui qu'est-ce qu'il valait. C'est là que ça a cassé. Tu peux pas. Non, tu peux pas aller contre ce poisson-là. Faut que tu suives le rythme. Malheureusement, c'est déjà terminé. C'était notre dernière journée de pêche ici au Costa Rica. On a fait, je pense, une journée un petit peu plus difficile. On a eu beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Ça a brassé beaucoup. Malgré tout ça, on a quand même réussi à prendre des beaux tarpons. On a eu de l'action sur les lignes. Alex, notre caméraman, a sorti le sien. Je pense que c'était vraiment notre objectif primaire aujourd'hui, c'est ce qu'on voulait. On voulait terminer ça en beauté. Nous, de notre côté, on avait quand même tout pris, fait qu'on a terminé ça vraiment de la meilleure façon qu'on pouvait pas. C'était totalement incroyable, la grosseur des poissons, le côté combatif, le poisson qui sautait dans les airs. Sylvain, t'as été capable de checker ton yellowfin, ton selfish, ton tarpon, c'est-tu vrai? J'ai battu mes deux compagnons de pêche. Donc, ouais, on avait une petite gageure de mis là-dessus, fait que c'est moi qui l'ai eu pour le plus gros. Puis il va dire une chose, c'était tout qu'un combat. L'amener aux côtés du bateau, là, c'était tout qu'un sport. Ça tire du 250 livres. C'est ce qui m'a fait un peu au voyage ici. C'est le moment un petit peu plus triste. Pas le choix. Déjà fini. Ça fait deux fois que j'ai la chance d'avoir Roadfish ici avec moi. Incroyable premier voyage. Incroyable deuxième qu'on vient d'avoir. Plein de surprises. La magie du Costa Rica nous a gâtés encore. Je suis super content qu'on ait pu faire la côte du Pacifique. Qu'on soit venu sur la côte des Caraïbes, on est en train de tout visiter le pays, Dan. On a vu que c'était des poissons complètement différents d'une côte à l'autre. Mission accomplie, boys. Merci, Dan. Merci. Alex. C'est bon. Des beaux bandeurs. Là, on va aller se racheter un bandeur pour qu'il faut arrêter à des endroits. On est à la corde, hein? Il y en manque un. Fait qu'il en manque un, fait que probablement qu'on va se l'acheter un tout à l'heure. Putain, on va vous montrer des images incroyables avec des poissons qui vont être totalement... je sais pas quoi. OK, Dan, c'est bon.